Bonjour à tous et bienvenue sur Whisky and Friends, la chaîne de partage et la page de partage sur le whisky. Petite redécouverte ce jour du whisky Lagavulin, hop, 16 ans. Donc qui nous vient d'Écosse et plus particulièrement de la région donc de l'île d'Islay. Donc souvent réputée pour ses whiskies effectivement tourbés, fumés, iodés, assez maritimes. Petite donc renouvelle découverte puisque je l'avais goûté il y a de ça des années effectivement. Whisky à 43 degrés, 5 ans d'âge, donc de la distillerie Lagavulin que l'on retrouve effectivement au sud de l'île d'Islay, donc proche de Lafroy entre autres. Ah, très très sympathique. Donc la première chose à dire là-dessus, on est sur une couleur relativement ambre, légèrement tuilée. C'est assez huileux, hein. Une belle couleur, belle et très intencelante. Au nez. Ah. Au nez, ça sent l'iode. Peut-être une petite part de réglisse. C'est légèrement tourbé, mais plutôt fumé que tourbé. Une bonne partie quand même, ouais, de tourbe, mais pas la tourbe fermière comme on pourrait la retrouver sur certains autres, comme le Ledeg par exemple. On est quand même relativement fumé. En bouche, on retrouve ce côté un petit peu médicinal, de tourbe, de fumée, bûche de cheminée peut-être. Ouais. Quelque chose de fumé, un petit peu comme une bûche de cheminée. Cette petite part de réglisse également, bâton de réglisse, même peut-être poudre de réglisse, genre Coco Boer comme on a pu le connaître avant. Il y a ce côté iodé qui revient, une petite part de salinité, très très agréable, hein. Très frais. Les ABV sont très bien intégrés, hein. On est sur 43 degrés, peut-être manque un poil d'ABV, un poil de pourcentage, un petit 46-48 aurait pu être sympa, mais bon. Voilà, c'est relativement rond en bouche, hein. On retrouve une légère puissance qui manque peut-être un poil, mais bon, à l'heure actuelle, c'est quand même relativement intégré. Hein, c'est quand même quelque chose d'assez rond avec ses pointes tourbées, fumées. Hein. Toujours ce côté réglisse qui revient. La finale est moyennement longue sur les arômes principaux. La tourbe reste un petit peu plus, la fumée reste un peu plus. C'est vraiment un whisky relativement sympathique. Hein. Donc pour faire un petit rappel, hop là, Lagavulin. On est donc sur le 16 ans d'âge. Voilà, que vous pouvez trouver partout chez vos meilleurs cavistes. Donc Lagavulin, Écosse, île d'Islay, 16 ans d'âge. Et bon, comme d'habitude, hein, l'alcool se consomme avec modération. Je vous souhaite de passer une agréable journée à tous sur Whisky and Friends et à très bientôt pour prochaine dégustation.